sénateurs et chers collègues, je demande aux membres élus du bureau définitif du Sénat de lever ensemble le main pour être salués par l'Assemblée plénière. Nous allons passer à l'installation du bureau définitif. Je demande au service de conduire les membres du bureau définitif au podium. Motion, est-ce qu'on peut laisser seuls les membres du bureau au-dessus et peut-être les services administratifs? Il y a les agents de sécurité, tout ça qui bouche la vue. Monsieur le Président, merci. À présent, nous allons passer à l'installation du bureau définitif. Je demande au service de conduire. Pardon. Mais nous sommes où? Excusez-moi. Monsieur le Président du Sénat, je vous remets ces marteaux, symbole du pouvoir législatif. Je vous souhaite plein succès à vous-même et à tous les membres du bureau définitif. Je suspends la séance pour permettre aux membres du bureau définitif de s'installer.
Merci. La séance est reprise. Honorable membre du bureau, honorable sénateur, honorable sénatrice, estimés collègues, distingués invités, mesdames et messieurs. Avant toute chose, à mon tour, je tiens à rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui a permis que ce jour, nous puissions moi-même et tous les membres qui composent ce bureau vivent ces instants historiques. Qu'il me soit permis de remercier l'autorité de référence de notre famille politique, l'Union sacrée de la Nation, j'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Par ses orientations, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il a honoré non seulement ma personne, mais aussi l'ensemble des membres qui composent ce bureau. Permettez-moi aussi, honorable sénateur, honorable sénatrice, d'exprimer au nom des membres du bureau et en mon nom propre toute ma reconnaissance et ma gratitude envers chacune et chacun d'entre vous pour avoir porté votre choix sur nous. Personnellement, je considère ce vote à la grande majorité comme un plébiscite qui accentue davantage la responsabilité qui m'incombe et qui incombe également à tout votre bureau. Nous ne ménagerons aucun effort pour mériter cette confiance que vous nous avez témoignée ce jour en nous confiant cette noble mission. J'aimerais ici remercier et féliciter à sa juste valeur mon challenger, le patriarche Jonas Moukamba. Il a fait montre d'un sens élevé de démocratie et d'élégance durant ce processus. Il est une référence pour les jeunes générations et sa sagesse sera mise à profit au cours de son mandat à la tête de notre chambre parlementaire.
Il en est de même pour tous les autres candidats qui ont concouru à cette élection qui a mené à l'installation de ce bureau définitif. En ce qui me concerne, cette élection à la tête du Sénat, je ne la prends pas comme une victoire personnelle, mais comme une victoire de l'ensemble de notre nation et des forces politiques, lesquelles ne demandent que plus d'unité, plus de cohésion et plus d'efficacité dans la gestion de l'État, et ce, dans la confiance et la loyauté. C'est ici l'occasion pour moi de réitérer ainsi de manière solennelle et sans équivoque ma totale loyauté envers le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place en nous sa confiance durant le mandat que vous venez de nous confier. Nous nous attellerons à la mériter encore davantage pour le bon fonctionnement de nos institutions et pour le bien de notre peuple. Enfin, je remercie les membres du bureau provisoire, particulièrement son président, le patriarche Pascal Kindwelo Lumbu, le premier secrétaire, l'honorable Yvan Kazadi, le deuxième secrétaire, l'honorable Moïse Ekumbo, pour la dextérité et la sagesse avec laquelle ils ont conduit cette session extraordinaire inaugurale, aboutissant ce jour à l'élection et à l'installation du bureau définitif de notre Chambre. De même, j'aimerais remercier tous les agents et fonctionnaires du Sénat qui les ont épaulés dans cette lourde tâche. Honorable sénateur, honorable sénatrice, estimés collègues, mesdames et messieurs, j'aimerais, du haut de cette tribune, évoquer la question sécuritaire qui nous tient à cœur et qui préoccupe au plus haut toute la nation et particulièrement le président de la République et chef de l'État. Et en parlant justement du président de la République, représentant suprême de la nation, symbole de l'unité nationale, garantant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire que de la souveraineté nationale. Il mérite à ce titre le soutien de l'ensemble de notre population, qu'il a massivement et incontestablement élu au cours des élections démocratiques du 20 décembre dernier. Ce soutien politique et moral est encore plus utile en ce moment où notre pays est agressé de manière récurrente par des pays voisins, dont le Rwanda et ses alliés. Derrière le commandant suprême des forces armées et de la police nationale, nous avons tous l'obligation historique de l'accompagner et d'imposer définitivement le respect ainsi que la paix dans toute la région. Il en est de même pour l'accélération du programme de développement local de nos 145 territoires, ainsi que de la construction des infrastructures de base à travers le territoire national, sans oublier l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Le Sénat est prêt et exercera l'ensemble de ses prérogatives pour concourir à l'atteinte de tous ses buts. Il y va de la survie de notre peuple en tant que nation. Je vous rassure, honorable sénateur, honorable sénatrice, chers collègues, que notre bureau promet de faire prévaloir toujours l'intérêt commun en toutes circonstances. Nous ferons en sorte que nos promesses de rayonnement de notre chambre soient matérialisées, je voulais dire, et ce, avec le concours de tous. Que vive le Sénat de la 4e législature, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et ses dirigeants, et je vous remercie pour votre attention à ce stade.
après ce mot et après l'élection et l'installation de votre bureau définitif, l'ordre du jour de la session extraordinaire inaugurale de la 4e législature de la 3e République est épuisé. Sur ce, je déclare close la session extraordinaire de mai 2024. La séance est levée et bonnes vacances parlementaires méritées à tous.